YouTube, on est parti sur ce live. Premier live React. C'est un essai pour moi, voir ce qu'on peut faire en live React. Et le chat a choisi de réagir sur un striptease. Donc striptease, c'est une émission qu'on voit du coup juste après. Je ne vais pas vous spoil. Mais ce sera sur Jean-Pierre Mocky. Et je voulais peut-être d'abord parler de qui était Jean-Pierre Mocky avant de commencer. Jean-Pierre Mocky, c'est un réal français qui a fait plein de trucs. Mais plein de trucs que nous, on ne connaît pas. Parce qu'il a fait beaucoup de... Il a fait quoi ? Que des trucs que je ne connais pas en vrai. Il joue notamment... Donc il était acteur aussi, beaucoup. Mais en gros, Réal, il est mort. Hein. Il est mort en 2019, je crois. En quelle année il est mort ? Jean-Pierre Mocky. En 2019. Attends, peut-être pas. Si, il est... Attends, il a... Sa période d'activité... Il est mort alors qu'il travaillait encore, à 90 ans. Tu vois, on voit que c'est un gars qui était quand même passionné par tout ça, par son taf. Et attends, je voulais juste voir sa filmographie. On l'a trouvé, la filmo. Discographie ? Filmographie, ok. Il a commencé à faire des longs métrages en 59. Il a terminé du coup en 2019. Et il n'y a aucun film que je connais là-dedans. Il y en a, si vous reconnaissez des films que vous connaissez, mais... C'est pas connu, c'est l'Albatros ? Non, je sais même pas. Bon, bref. Un grand cinéaste français, mais... Salut, Crosto. Voilà. Je vous ai présenté juste brièvement... Qui c'était ? C'est pas n'importe qui, il a quand même fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de films, de séries et de téléfilms, cinéma. En série, je sais pas s'il y en a fait, mais des documentaires. Et dont les documentaires qui ont été faits sur lui, on a, je crois qu'il y a, voilà, Le Parapluie de Cherbourg, épisode de l'émission Striptease réalisé par Manolo D'Artuis. Et c'est ça qu'on va regarder tout de suite. C'est bon, je peux y aller. Let's go. On est chaud. La cam est bonne. C'est parti. Le caméflex. J'ai pris des bottes. C'est complètement con déjà. Ah oui, donc ouais, du coup le montage est particulier hein, sur les striptease. Le caméflex. Ouais. Oh. Le caméflex, c'est ma canne à pêche. Mais écoute-moi cet abruti. C'est quelque chose. Faites attention en descendant les enfants. Hein. Lui il a l'air trop gentil. Il a l'air adorable. Je sais pas du coup qui c'est. Hein. C'est pas lui. Jean-Pierre Mocky, c'est le mec qui gueule hein, au début. Donc je crois que c'est celui qu'on voit tout à gauche de l'écran là. Et le parapluie de Cherbourg. Du coup, je pense que c'est à Cherbourg, hein, où là où ils sont. Ils doivent tourner une série ou un film sur Cherbourg. Tu as des bottes, moi j'en ai pas. Mon cher, moi je suis organisé. Merde. Ah, espèce de con. Enlève cette eau. Il est insupportable. T'imagines l'ambiance. Enfin, il est, je sais pas, c'est à la fois marrant, mais l'ambiance de merde sur le tournage quand même. Enfin, le gars, il râle quoi. C'est le français originel. Là, oh. Ici, là, voilà, là. Non, pas là, là. Là, avec les rochers. Là, 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 là. Ici, là, là. Bon, alors allons-y parce que l'eau va avancer, on va être baisés comme des rats. Moi, ce qui me marque, c'est genre le manque d'organisation déjà. Enfin, je sais pas. On va, genre, ils se sont même pas posé la question si on est en marée montante ou descendante. Genre, ils veulent juste... On vient filmer ici ce jour-là. Mais j'ai l'impression que genre, c'est... Il y a un côté hyper amateur. Il y a un gros plan de river qui regarde ça. T'as compris ? Donc, on découvre. Mais tu le mets pas en amorce carrément avec oui, eux. Là, oui. Et puis, on prendra un contre-champ après. Bon, parce que sinon, allez, allons-y. Avec des bottes de cow-boy. Bon, alors, c'est la première fois qu'on te voit. Tu es de dos là au oui, départ avec... et je te fais un gros plan. C'est la première fois qu'on voit l'inspecteur Lévy. On est en train de sortir un cadavre. Ouais, je sais. Ah ouais, attends, mais c'est sérieux ? Genre, il est en train de lui expliquer le speech là ? Attends, lui, on d'accord, c'est l'acteur ? C'est un inspecteur ? Tu sais, je connais oh, ben, l'histoire, voilà. Mais bottes de cow-boy dans la flotte, c'est un summum. Allez, moteur. Pierre, ça serait pas dans l'optique, Pierre ? Bon, allez, moteur. En tout, on va pas rester là deux heures. Hein. Très bien. Allez, moteur. À mettre à l'auteur des yeux. Bien sûr, s'il te plaît. Moteur. Voilà. Ah, c'est pas mal, c'est bien. Moteur. Les deux caries, tu les vois ? Tu regardes pas la caméra, tu vas dire. J'ai enlevé ces deux cons qui sont là-bas. C'est incroyable. Putain, mais comment ce mec-là... Enfin, c'est... Non mais c'est presque... Mais le manque d'organisation de ouf du truc, qu'est-ce que c'est que cette merde ? Allez, moteur, putain de merde !
On va sonner, voir si on peut pas tourner là. Allons voir. C'est particulier comme réel. Bah, c'est vrai que là, comme ça, je me dis, mais genre, c'est qui? Enfin, genre, comment tu peux... Comment tu peux... Enfin... C'est... Ça fait tellement amateur, en fait. Je trouve ça ouf. Il y a un grand, une grande baie vitrée, là. Regarde, une grande salle à manger avec baie vitrée où on voit la mer. Oui, mais... Moi, ce qui m'intéresse, c'est cette petite bicoque. Ben, on va leur demander qui habite là-dedans. Elle n'est pas à vendre, cette bicoque. Moi, je l'achèterais bien. Tu parles. J'ai pas l'impression qu'ils bossent, en fait. On dirait qu'ils sont en repérage, mais ils ont toute l'équipe de tournage. Pour venir en week-end avec une belle fille, c'est pas mal. Allô? Il y a du monde? Ça sonne pas? Ils rentrent comme ça chez les gens. Dans le plus grand des calmes. Ils ouvrent le portail. Parce que se permettre de rentrer chez des gens quand le portail est grand ouvert, je dis pas. Et encore. Bon, aux États-Unis, tu le fais pas. Hein, Pierre? Tu feras gaffe aux accars. Hein. Tu feras pas ça aux États-Unis, tu vas te faire tirer dessus. Mais eux, genre, ils ouvrent le portail? Un Bolivie? Mais putain, ils vont. Ils vont à la baie vitrée et tout. Tu sais, si tu vas à la porte d'entrée pour sonner, non? Regarde, ouais, c'est un bon living. Mais t'imagines, t'es chez toi à poil. T'as deux vieux qui débarquent. Oh l'enfer. Vue sur mer. Avec les caméras en plus, parce qu'il y a une caméra qui les suit. Oh, par contre, ils sont. Attends, on est d'accord, il y a une chaise sur la baie vitrée qui regarde la mer. Ils sont quand même bien placés, eux. Pas un rat. Vous avez acheté des t-shirts avec un gros France dessus. Putain, vous êtes trop con. C'est un beau living. Bah, ça a l'air. En tout cas, ils sont bien. Non, mais la vue que t'as. Une vue surplombante comme ça sur la mer. Y a aucun danger de monter des eaux puisqu'ils sont bien, bien au-dessus. C'est genre. Quoique, je sais pas s'ils sont si hauts que ça. On n'est pas plus avancé. Il est parti travailler. Il est parti travailler. Curieux, les gens laissent leur maison toute seule comme ça. Il est bourré, lui, non? C'est curieux de laisser sa maison comme ça. Moi, c'est vrai que ça me viendrait pas l'idée de laisser ma maison, moi. Mais tu sais, ma maison, bah genre, tu restes dedans H24, même quand tu vas travailler. Et ça me laisse rêver. C'est ça qui fait pas beau. Bah, ça représente bien. Ça représente bien la région, en vrai. Bon, en tout cas, la plage, est on peut retenir la plage. Mais du coup, ils font du repérage, là. Je pense que c'est pas le... Si, c'est le même jour. Je sais pas si c'est le même jour. Mais je trouve ça bizarre qu'ils tournent une scène. C'est pas du tout bien organisé. Il y a le caméraman et tout. Le gars, il gueule moteur en boucle. Et après, ils vont faire du repérage. Pour pouvoir bouffer ce soir. Pour les faire bouffer. Ah oui, parce que là, on parle que de bouffer. Là, c'est... Oui, je suis un peu étonné. Et après, ils mangent une côte de porc. C'est ça qui est terrible. Par contre, ils ont un côté calme. Enfin, genre... Tout à l'heure, il était trop énervé pour rien, mais tu sais, genre là, c'est... Je sais pas, ils ont une bonne... Ils sont marrants à écouter. Après, ils sont vieux. Ils veulent tout le temps manger. Mais ils travaillent pour manger, finalement. Pas tout le monde, tu sais. Non, mais dans le sens littéral du terme. On peut travailler pour faire autre chose, pour acheter des trucs qui vous plaisent. Et là, c'est pour manger, vraiment. Il parle de qui, là? Genre... Là, c'est pour... Parce que, enfin, pour moi, là, c'est bizarre ce qu'il dit. Je vais te montrer le restaurant où j'ai bouffé hier soir. Tu vois, c'est celui-là, là. Il est là? Non, il est tout fermé. Mais lui, c'est 80 balles. 80 balles, c'est cher. On dirait ma grand-mère. 80 balles, c'est cher. C'est là où j'ai mangé. Trop cher. Le voilier, c'est moins cher, mais on peut pas aller au voilier, c'est trop loin. Le voilier, c'est dégueulasse. On devrait manger pour 30 balles par jour, ça serait bien suffisant. Bah si, une crêpe. Bon, c'est vrai que 30 balles par jour, je sais pas en quelle année c'était, mais 30 balles, ah c'était en francs. Je pense que c'était en francs, du coup, ça fait peut-être beaucoup. Ça fait peut-être pas cher du tout, 30 balles, par contre. Hein. Ils vont tous crever de cholestérol à force de bouffer. Tiens, voilà la pizzeria, elle est là. Alors, ils sont où du coup? Ah, j'arrive pas à lire. Un ferment. Ouais. Hop, là. Le moulin. Fais voir.
Comment, il est cher ou pas? Non. 32 francs. Bah ça va, 32 francs. Ah non, il voulait ça par jour, pas par repas. Hélas, monsieur. Il nous faudrait une vingtaine de repas. Ah ouais. Genre, il emmène tout le monde du coup, là. Ça veut dire que il y a zéro organisation, quoi. C'est le réalisateur qui part avec son pote à midi. Ah non, il doit être 11h30 pour choper à bouffer pour tout le monde. Non, mais c'est pas possible. Non, c'est du repérage, là. Mais c'est pas son taf de faire ça aussi. Je me disais aussi, ça fait cher. Alors, oui. C'est, alors, 30 balles, c'est du franc, les gens. C'est en francs, du coup. C'est pas des euros. C'est en francs. Du coup, c'est vraiment très peu, 30 francs. C'est fois combien, le franc euro? C'est pas fois 7? Ou divisé par 7, du coup? Je me suis disais aussi, ça fait cher. Mais 6 francs, c'était en euros. Ah, tu penses que c'était en euros? Parce qu'après, 30 euros... 30 euros de resto par jour, bah ça fait 15 euros le repas. Je trouve que c'est pas déconnant en vrai. Entrée plat, 15 balles, c'est à peu près ce qui... Ah non, en francs. Ah ouais, 6 francs c'était 1 euro. 1 euro, ouais, 6. Donc bah ouais. Ouais, non, mais après ça fait des petits plats là, du coup. Hein. Ça fait 5 balles. Il voudrait 5 balles par jour. Enfin, nous en euros du coup. Mais ouais, je sais pas. Une salade. Je sais pas combien. Attends, limite. Attends, je regarde si je peux voir s'ils disent l'année. 2000. 2000, c'est pas genre. L'euro, c'est 2000 ou 2002? Après, s'ils parlaient en balles, c'est que eux, vu l'âge qu'ils ont, c'est sûr qu'ils parlaient en francs. 100% ils parlaient en francs. Une pizza, un dessert. Vous faites ça à combien? Parce que qu'est-ce qu'il y a comme vous avez un concurrent là-haut qui est l'hôtel de Monteter. Alors ouais, je prends vous ou lui. Chez Dédé. Ah, Dédé. Ah oui, Dédé. C'est la même chose. Ah ben je sais que c'est pas la même chose parce que cher, moins cher moi. C'est pas une bonne combine. Retournons aux petits trois hôtels et on va le prendre à la gorge lui. Allez, on va se démerder. Fais faire un petit repas à 60 balles chez l'autre, c'est tout. Ah ben je vais vous faire un couscous à la place des à la place et de un tout couscous ça. C'est pas à mal, c'est original et puis voilà, ça fait 15 ans de plat, puis quand j'en fais, croyez-moi que les gens se régalent ici. Je vous crois. Alors en fait un couscous à 4 ans, voilà, ça suffit. Un couscous, un dessert, puis c'est fini. Voilà. Pas de et fromage ben ça, c'est parce une que bonne idée. Vous savez que la plupart des gens ne bouffent pas de fromage non. Ou pas de dessert parce que... Mais là quand on regarde ça, on dirait pas, enfin, il est censé être réel lui. C'est le gars qui est censé organiser le placement des caméramans et tout. Ça, c'est le taf du chargé de prod, non? Techniquement. Allez. Enfin, oui. Préparer là où doivent aller les acteurs pour aller bouffer ensuite. Normalement, c'est un métier. Enfin, c'est un métier. Normalement, t'organises tout, en fait. T'organises les déplacements, t'organises... Et là, le gars... Bah, après, bon, en fait, c'est la bonne franquette, quoi. Enfin, c'est... Il doit tout faire, je pense. J'ai l'impression, ce mec-là. Mais je trouve ça ouf de... Le temps qu'en plus ils vont y mettre là-dessus. Parce que nous, on... Faut le budget pour. Ouais, mais ouais, ça manque de budget. Mais parce qu'il y a. En tout cas, ça représente quand même pas mal le manque d'organisation qu'il y a quand même dans leur bail. Mais c'est des films très peu chers qu'ils doivent produire. Mais je sais pas, je trouve ça fou quand même. On est obligé syndicalement à faire fromage, dessert, etc. Mais ils les mangent pas. Syndicalement? Genre, il y a un syndicat aussi? Sur 20 repas, il y a eu 10 personnes qui n'ont pas pris de dessert, vous vous rendez compte? C'est le couscous, ça. C'est formidable. J'aime pas ça. Oh, bah. Oh putain, mais tout le monde râle, c'est insupportable, c'est que des cons. Putain, les casse-couilles, un couscous, c'est de la semoule, tu fermes ta gueule. Arrête, écoute, on te fait faire un plat spécial pour toi. Oh, t'exagères, c'est tout ce que je déteste, le couscous. La choucroute, oui, la choucroute. Attention, nous n'avons pas plus de 89 000 francs de défraiement avec les hôtels. Donc si tu me prends 60 000 francs pour les défraiements... Mais il n'y a pas que ça, Jean-Pierre. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Pas tout. Je pourrais que je montre mes cahiers. Tes cahiers? Ah bah oui, mes cahiers. Qu'est-ce qu'il y a dans tes tout, cahiers? Bah tout, il y a tout. On a tout payé, les restos, les On ne doit plus hôtels, rien à personne. Non, enfin, on a un peu payé l'hôtel, on n'a pas tout payé. Mais ouais. La déco, C'est cher tout ça, mais on pourrait pas voler un peu d'argent. Si, ça serait bien qu'on puisse en voler. Je
chauffe pas Jean-Pierre deux minutes. Vous allez faire juste un petit mot, puis c'est bon, on peut les prendre. Oui, Madame Rossen, c'est moi, oui. Écoutez, bonjour, oui, on a eu des petits problèmes la semaine dernière. Là, vous mettez 20 000 balles, là. 30, Jean-Pierre. 30. 30. Parce qu'il y a des frais aussi qui arrivent et tout. D'accord, mais moi, je vous ferai un reçu. Qu'est-ce qu'il voulait, un fax? D'accord, ok. Merci, au revoir. Au revoir, merci. Ok, un petit coup de téléphone, il faudrait 30 000 balles. Non, lui passe de 20 à 30 000. Oh la vache, c'est ouf. Hein. Mais tu m'étonnes qu'ils fassent des films de merde, qu'on les ait jamais vus ces films. Il y a zéro organisation dans leur connerie, il n'y a rien du tout. C'est... Bon, alors après, je dis ça se trouve, c'est des chefs-d'œuvre hein, qu'il a fait en film. C'est juste moi, je les ai pas vus. Et j'ai pas une culture cinématographique de ouf. Hein. Ça se trouve, lui, c'est une légende, hein, ce gars-là. Mais je sais pas du tout. T'as un chèque. Bon, ouais. Allez. Et un mot pour toi en disant que tu as le droit de chercher ce pognon. Mais je sais pas pourquoi il y en a autant. Je sais pas pourquoi. Il a l'impression qu'il y a. Ouais, je trouve ça ouf quand même. Hein, que ça se passe comme ça, là. À l'arrache. Du coup, c'est lui qui a fait le scénario des Parapluies de Cherbourg. Ah, c'est un film, les Parapluies de Cherbourg ? D'accord, ok, ça je savais pas. Du coup, c'est le nom du film, oui, c'est le film actuel, ok. Ah, le Parapluie de Cherbourg. Elle recule la mer, elle avance. J'ai pas. Posé une question qui m'a jamais répondu. Elle est là, la caméra, elle peut pas être ailleurs. Ta gueule, là, le projecteur. Et tu me fais chier. Alors, qu'est-ce que je suis venu. Enfin, en vrai, l'art de filmer des réalisateurs de striptease, c'est quand même ouf. T'as vu comment il commence la scène ? Il filme la mer, donc un paysage très paisible, et avec les deux mecs qui s'engueulent derrière. Elle avance. J'ai pas. Posé une question qui m'a jamais répondu. Elle est là, la caméra, elle peut pas être ailleurs. Ta gueule, là. Mais c'est insupportable. Hein. Comment tu peux bosser comme ça ? Mais après, ça, on voit que c'est pas, ça vient pas du cœur. C'est genre juste, ils ont, je sais pas, ils s'expriment. Mais ils sont pas d'accord, mais on voit qu'il n'y a aucune rancœur dans ce qu'ils disent. Ils disent ta gueule violemment, mais deux secondes après, c'est oublié. Alors que nous, si ça nous arrive, il y a moyen qu'on fasse la gueule plus longtemps. Projecteur, et tu me fais chier. Alors qu'est-ce que je suis venu faire là? Alors qu'est-ce que tu m'emmerdes? Alors allez où la caméra? Vous êtes anormal quoi? Vous êtes pas foutu de donner une position de caméra? Je sais pas qui c'est lui. C'est censé être qui lui? Enfin. Et après, je réponds. Alors, au niveau de son rôle, enfin, qu'est-ce qu'il doit faire dans le film ? Hey, moi, j'arrête ton truc. J'ai fini aujourd'hui et je m'en vais. C'est fini. Ah, ouais, quand même, là, c'est une vraie engueulade, là, quand même. En mode, je me casse. Vous savez pas ce que vous voulez, non ? Vous êtes tu pas. Tu sais, foutu. Tu me fais chier, tu ne sais pas ce que tu veux. Tu me fais engueuler avec tout le monde, bordel de merde, et t'es un bordelique. Tu ne sais pas ce que tu veux. Enfin, je fais un raccord dans le mouvement, espèce d'idiot. Tu comprends pas ce que je fais ? Après, j'avais vu passer. Quand on réalise un film, il y a plusieurs façons de filmer, enfin de s'organiser. Et il y a des réalisateurs où tout est prévu, et c'est ainsi le montage, tout est prévu au millimètre près. Et il y a d'autres réalisateurs qui font des films incroyables où il y a le côté un peu sur l'instant, il y a des choix qui se font. Et il y a des réalisateurs ils font entre les deux, genre il y a des choix qui se font directement, il y a des choix qui se font après. Et il y a des films qui sont en full, imagine Titanic. Comment il s'appelle le gars qui a fait Titanic ? Ou Avatar. Ça, c'est que du... tout est prévu, au millimètre près, tout est choisi, parce que c'est que des effets spéciaux. Mais à l'inverse, il y a peut-être plus souvent les films d'auteur, ou les films où on va voir plus sur le ressenti, sur l'humain, sur la façon dont on filme et tout. Mais lui, c'est vraiment... lui, il est plus de ce côté-là. Plus du genre, le film... C'est le résultat du tournage. Et le tournage, c'est quelque chose de très vivant et qui s'est un peu fait à l'arrache, quoi. Enfin, à l'arrache. Bah, là, ça fait quand même un peu à l'arrache. C'est vrai que là, ça fait... c'est Jean-Pierre Mocky. Comprends pas, tu expliques mal, tu ne sais pas expliquer. J'attends que je pose ma caméra, puis voilà. Ça fait 16 heures par jour. Mais putain, mais juste être là. Mais après, c'est aussi là, c'est Striptease qui donne ça, c'est que... Il s'amuse à filmer tout le monde, il n'y a personne qui parle, il y a juste deux connards qui s'engueulent. Ça c'est un effet de montage hein, qui donne ça, et c'est pour ça qu'on ressent ça, mais je ne sais pas comment ça se passe en vrai, s'il y a d'autres gens qui ouvrent leur gueule ou pas. Je ne sais pas si au montage, ils ont fait exprès de les dégager, mais je ne sais pas. Je ne sais pas comment c'est. Mais... Là, ils sont deux à s'engueuler, j'ai l'impression que c'est les deux, je ne sais pas. Y en a un, il est capable de soulever 30 000 balles en deux secondes, en deux coups de téléphone, et l'autre, c'est son pote qui est capable de lui parler comme il veut. Donc, c'est un peu les mecs qui...
je sais pas, qui sont hyper imposants ici. Mais les autres, ils sont là, ils subissent. Depuis 10 jours, merde. Ça fait 140 heures depuis 10 jours, tu me fais chier. Moi, je suis un vieux monsieur, c'est fini. Je finis ce film et je n'en ferai plus avec toi. Ouais, écoute, pour faire un plan comme ça, tu veux rigoler, j'en ai fait 10 000. T'en as pas fait 10 000, 10 000. Qu'est-ce qu'ils ont fait quoi avec le caillou? Tu veux que je montre? Non, non, je connais tous tes films. Ouais, ouais, j'ai fait de la mer, mais plein de mer. Ouais, Putain, attends, il a dit de la mer ou de la merde? C'est de la merde hein, qu'il a dit. J'ai fait plein de merde. Et il y en a un particulièrement, vous êtes dans le noir, on vous a même pas parlé. Je veux pas le citer le film, je le connais. C'est pas possible de travailler. Tout ça, ça n'arriverait pas si tu ne disais rien. Comment si je disais rien? Rien. T'as rien compris? Tu comprends pas parce que je suis en train de faire et tu comprends pas? Non, tu es d'une mauvaise foi remarquable. Qu'est-ce que je fais en ce moment? Un plan où elle descend là, un autre plan qui fait là. C'est pas le problème. Le problème, c'est que simplement, on doit te mettre de la lumière sur le visage. Voilà, c'est tout. Mais vraiment, c'est pas des... Enfin, ce que je comprends pas, c'est que... Il a combien d'ans de métier, là, déjà? En 2000, il avait au moins 60 ans, à peu près. Il est mort à 90 ans en 2019, donc 60 ans, enfin il a à peu près 60 ans. Genre il a toute sa vie, enfin genre il a passé toute sa vie à faire des films et voilà comment ça se passe ces tournages. Je comprends pas, ça me dépasse totalement. Je trouve que c'est lunaire. Et alors, pourquoi il n'y a pas quelqu'un avec une batterie et non, mais tu déconnes, non? T'as aucune notion, t'as fait 40 films, t'as même pas assimilé un minimum de technique. Voilà, je suis totalement d'accord avec son pote. Enfin non, la technique, ça, j'arrive pas, je saurais pas juger, mais... T'es nul! Oh là là! Là, c'est le couscous ou c'est le soir? Non, c'est le soir, c'est pas le même. Mais qu'est-ce qui se passe là-bas? Il y a trop de monde, là, c'est cher tout ça. Ils sont plus nombreux que d'habitude. Est-ce qu'il n'y a pas des squatters là? Il n'y a pas des types qui sont venus et qui n'ont rien à foutre là? Sur 20 personnes, il connaît pas toute son équipe. Il s'en fout aussi, enfin, ouais, je sais pas. Vous me garderez les os des côtes de porc pour mon clébard. S'il vous plaît, on dit s'il vous plaît. Mais vous n'avez pas de reste autrement. Ils ont tout bouffé chez vous là. Les hôtels en province et les restaurants sont plus chers qu'à Paris, ce qui n'est pas normal. Bon, ça, et on est encore à l'époque du coup où ils fumaient à table. Enfin, il y avait un paquet de clubs là, mais je vois pas de cendrier. Donc... Enfin, ils fumaient à l'intérieur des restaurants. Quoi. Mais je suis pas sûr, peut-être que je me trompe. Je sais pas en quelle année ça a été interdit, mais pour moi c'était après 2000. Le voilier, c'est pour les prolos. C'est un gars qui a pas de fric, il va là-bas, il paye 58 francs. L'autre jour, je suis allé là-bas, j'ai mangé, j'ai payé 58 francs. Moi, j'ai jamais payé ça dans un restaurant, 58 francs. Il passe son temps à se plaindre, c'est une dinguerie. Hein. Comme quoi, tu peux être un vieux con, te râler tout le temps et vivre vieux. Hein. Il est mort à 90 ans. Hein. Comme quoi, peut-être ça fait du bien d'exprimer son désarroi et de casser les couilles à tout le monde. J'ai mis hors d'œuvre un café, un plat. Aujourd'hui, il y avait un roast beef, tu l'as mangé, il était bon. Hein. Non, il y avait trois tranches de roast beef, un hors d'œuvre, un fromage, une île flottante, un café, un quart de vin, 58 balles. Mais essaye de faire ça chez toi. Même chez toi, tu ne peux pas le faire. J'ai un estropié qui fait des chèques. Heureusement. Si, quand même, il a des bonnes vannes, quand même, c'est marrant. Il est. Ouais, c'est quand même drôle. Il a quand même un peu le sens de la punchline, le petit. Hein. Heureusement, comme ça, personne ne les encaissera parce qu'ils sont tellement mal écrits. C'est écrit comme un cochon. That's Monkey Signature. C'est une fausse signature, comme ça le mec pourra pas la toucher. Tenez. Préparation terminée, tournage. Allez chercher la dame. Non, surtout pas. On n'est pas prêt. Comment vous n'êtes pas prêt? Non, on n'est pas prêt. Il y avait une demi-heure de préparation, elle est écoulée. Oui, d'accord.
Et il aide pas, lui. Hein. Bon, après, c'est pas non plus... je pense pas que c'est pas forcément son taf non plus, mais... oui, mais ça a l'air de glander quand même. Hein. Il y a l'autre qui est couché par terre, là-bas. Il doit s'emmerder. J'ai fini la préparation. Il faut que je le fasse maintenant, mon vieux. Il y a beaucoup de boulot, là. Hein? Je ne l'écoute pas parce que... on n'en sort pas. Je vous paye des vacances au bord de mer. Vous vous rendez compte? Vous avez du pot, hein. C'est encore long. Bon, je pense qu'elle est actrice, elle. Alors, j'ai l'impression. Putain! Ça y est, vous êtes prêts? Mais l'ambiance de merde sur le tournage, c'est ouf, hein. Nous sommes prêts bientôt, monsieur. Allez. Rappuie encore une fois, voilà, voilà. Attention. Il n'y a aucun sourire. Il n'y a pas une personne qui est contente d'être là. Voilà, et tu attention, te retournes. Attention, il commence à pleuvoir. Apportez un parapluie pour elle. Apportez-lui un parapluie. Ah, je t'ai dit qu'il allait pleuvoir. Regarde ça, il va pleuvoir, elle ne pourra pas avoir son chapeau. C'est un désastre. Allons-y maintenant. Ça traîne trop, ça. On ne peut pas faire ça avec des projecteurs. Il faut faire ça à la main. Ça dure des heures, ça. Allez. Attends, tu sais ce que tu viens de dire? Tu fais ça à la main avec une panna. Tu dis n'importe quoi. J'en veux pas de panna. Tu fais ça au camé. Non. Personne n'a prévu un parapluie. C'est quand même fort. Mais c'est... comment on peut être aussi mal organisé? Je trouve ça fou. De prendre des trucs aussi compliqués que... à la mer, il y a les vagues, il y a les intempéries. Enfin, le climat peut changer. Remarque, le climat peut changer. C'est avec le parapluie. D'où peut-être c'est ça le parapluie de Cherbourg. Non, je sais. Il y a moyen que ce soit ça le titre. Attraper une saucée avec moi, on pourra pas tourner. Il faudra nous sécher. Ça va durer jusqu'à demain. Faisons-le, putain. Ça va être une tragédie ce truc-là. Ça devient de pire en pire ce tournage. Mais le... surtout après avoir fait 40 films, c'est vrai que. Je trouve ça... à quel point... oui, l'amateurisme... comme quoi, si tu veux pas progresser, tu peux pas progresser. Hein. Tu peux faire plein de fois les mêmes choses, c'est pas sûr que tu progresses. Après, là, faut aussi savoir que... je connais pas le monsieur, hein, mais ça se trouve, c'est un... ça se trouve, tous les films ne se passent pas comme ça. Hein. Là, c'est peut-être... on est tombé sur... je sais pas, le film qu'il faut pas. J'ai jamais vu d'interview d'acteur qui parlait de lui... mais ça se trouve, il y a des acteurs qui ont passé de très bons tournages avec ce gars-là. Mais en tout cas, là, ça ne donne pas forcément le meilleur exemple. Allons-y. Où est-ce qu'il y a des parapluies? Personne ne... cette conne d'Hélène, elle comprend pas que... putain, mais c'est un... cette conne d'Hélène. Qu'il faut des parapluies, là. Elle pourrait en demander deux. On est à Cherbourg. Il y a plein de parapluies. Oh, nom de Dieu. Oh. Cette conne d'Hélène. Je pense aujourd'hui... ah, quoique... il y a des réalisateurs qui ont un comportement de merde comme ça, il y en a plein. Mais il y en a qui sont insupportables en réalisateur. Mais je sais pas si aujourd'hui, il y en a encore des trucs comme ça. Tu pourrais porter plainte contre... parce que là, il a insulté cette conne d'Hélène en mode... je sais pas si tu pourrais... bah après non, un acteur pourrait pas porter plainte contre un réalisateur dans tous les cas, puisque de toute façon il se fait dégager du milieu s'il fait ça, donc ouais, ça dépend du milieu, mais oh. Moi je vais être mouillé, on va pas pouvoir tourner la scène. Oh là, c'est chiant vraiment. Oh. Il est 1h30 pour faire ce petit truc là, vous avez perdu du temps au départ. Oh. Il va pleuvoir là, on pourra pas faire la séquence. C'est prêt ou c'est pas prêt? Allons-y. Oh là là. Ils vont le faire quand même. Bon, allez, moteur. Oh, moteur. Tu te mets... moteur, allons-y, il pleut. Oh, merde. Tiens, on pourra pas le faire. On pourra pas le faire. Écoutez, qu'est-ce que vous attendez encore? Oh là 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 là. Maintenant, on a attendu qu'il pleuve. Puis on pourra pas continuer Michel, la séquence. Michel, un vin. T'as un vin? Il y aura de plus en plus de vent. Tout à l'heure, il n'y avait pas de vent. Maintenant, il y a du vent. Pourquoi on ne tourne pas tout de suite? Pourquoi on fait toutes ces cimes? Pourquoi tu ne tournes pas plus tard et tu t'organises mieux? Putain. Non, mais c'est... t'imagines comment tu veux tourner cette scène? Les acteurs, comment tu veux rentrer dans ton rôle quand c'est organisé comme ça? Alors, ça y est? Où est-ce qu'il est, ton Perchman? Vous êtes complètement tapé ou quoi? Où est-ce qu'il est, ton Perchman?
Ouais. Ah, les autres, on les entend. Lui, il est le seul à avoir un vrai micro. Les autres, on les entend gueuler aussi. Mais tout le monde gueule, en fait. C'est quand même incroyable. Putain, il a un bail normal. Il y a l'autre qui gueule depuis tout à l'heure pour avoir des parapluies. Donc, tu te dis, oh, bah, c'est bon, je vais aller chercher un parasol. Il est. Bah, comment tu sais pas? Bah, alors, viens là. Non, puis avec le vent. Mais tu es fou ou quoi? Ça fait une heure et demie qu'on est là. Mais qu'est-ce qu'il fait? Alors, mais vraiment, c'est merde. Vous foutez de moi, hein? Où il est parti, celui-là? Mais où est-ce qu'il est? Mais où est-ce qu'il est, ce con de Perchman? Qu'est-ce qu'il fout? Bon, j'ai pas le temps d'attendre, hein, moi. Donc, pas de Perchman. On va la faire muer, écoutez. on va la faire muer, du coup, la scène. C'est n'importe quoi. C'est trop con. Ça devient... Mais écoutez, le Perchman n'est pas là. Tu te rends compte? Mais c'est une plaisanterie, ça. Allez, tournons. Il arrive. Qu'est-ce qu'il fout, ce con? Qu'est-ce que tu fous là-bas? Viens là, nom de Dieu. Oh, mais qu'est-ce que tu as allé foutre là-haut? Qu'il est con, celui-là aussi. Oh. Allez, moteur! Vite, le soleil qui va sortir, mes enfants! Allez, moteur! Moteur! Vite au départ, allez! Allez, voilà, moteur! Dans 30 secondes, on raccorde absolument! Allez, moteur! Allons-y! Moteur! Clap de fin éventuellement! Moteur! Moteur! Vas-y, Jean-Pierre! Moteur! Moteur! Allons-y! Moteur! Oh putain, moteur! C'est un enfer. C'est juste... C'est infernal ce qui se passe. C'est une dinguerie. Et bah... Putain. Je l'avais jamais... Moi, ce que j'avais vu, c'était cette scène-là. Juste le moment où il gueule moteur. Moteur! Vas-y, Jean-Pierre. Moteur! Allons-y! Moteur, il pète un câble, c'est n'importe quoi. Putain, j'ai envie de savoir si le film a marché. Je sais pas s'il a fait des films qui ont marché, Jean-Pierre Mocky. Je ne pense pas en vrai. Attends, je vais regarder. On va regarder sa filmographie, mais je ne pense pas. Il en a fait. Hein. Dis-toi, là, le film qu'il a dû faire, on était en 2000. Bah, il est pas sorti, hein, son film. Attends, ça se trouve, c'est de la télévision, peut-être. Non. Bah du coup je sais pas en fait ce que c'est ça. En 2000, télévision. Non. 2000, ce serait ça. Ou 2001. Je sais pas si c'est un de ces films là, Le Glandeur ou La Bête de Miséricorde, mais en tout cas oui, il y en a eu des films. Mais s'il a tenu aussi longtemps, enfin il a fait ça toute sa vie. Toute sa vie, il a commencé en 59. Donc forcément, je sais pas comment ça se passe sa vie. Je regarde un reportage sur lui plutôt qu'un striptease, mais voilà. Il me tend au premier degré, mais non, mais c'est fort. C'est là où tu vois aussi que du coup striptease, c'est il y a beaucoup d'émotions quand même dans la chose. Mais je sais pas comment c'est possible. C'est tellement ça aurait été des acteurs qui auraient joué le truc, ça aurait pas pu être aussi fort. Mais dans tous les cas, bah j'espère en tout cas que ça a plu aux gens de chez YouTube. On se retrouve bientôt pour un autre React YouTube. Au revoir, bye bye.